Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire sur un sujet assez délicat. J'ai ce livre depuis un peu plus d'un an. Il est sorti en 2021, donc c'est assez récent. Le début de l'histoire est assez dur, mais soyez patients. Allez, pas plus de blabla, on commence direct parce que j'ai très hâte de vous présenter cette femme. Je vous laisse donc vous installer tranquillement et c'est parti. Vous l'avez vu dans l'onglet communauté, aujourd'hui je vous propose un petit concours sur cette vidéo pour gagner 3 livres après lesquels je vous ai partagé des histoires. Alors c'est simple, il suffit juste d'être abonné à la chaîne et de me laisser un commentaire sous cette vidéo. Comme la dernière fois, une citation inspirante, alors soit qui vient de vous ou soit d'un auteur, et je choisirai 3 personnes puisqu'il y a 3 livres à gagner. Si vous voulez savoir lesquels, je vous renvoie dans l'onglet communauté. Laisse le concours ouvert jusqu'à la mise en ligne de la prochaine vidéo. On part aujourd'hui en Asie centrale et plus précisément en Afghanistan pour découvrir une jeune femme au destin et au caractère, j'ai envie de dire, assez exceptionnel. Elle s'appelle Zarifa Adiba. Zarifa veut dire l'élégante en persan. Elle est née à Kaboul, capitale de l'Afghanistan, en 1998. Par contre, je ne peux pas vous donner sa date de naissance précise car elle-même ne la connaît pas. Zarifa ne connaît ni le jour ni le mois de son année de naissance. Elle n'a jamais connu son père non plus, car il est mort quand elle avait tout juste 6 mois. Avant d'aller plus loin, je vous fais un petit résumé du parcours de sa mère, puisque c'est une partie clé de la vie de la jeune femme. Sa maman s'appelle Anis. Dès ses 14 ans, elle va être mariée de force une première fois à un jeune soldat, à un jeune homme qui perdra la vie au combat 6 mois après leur mariage. La belle famille voudra alors l'obliger à épouser un de ses frères, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Anis était assez rebelle à l'époque, alors elle refuse et elle s'enfuit chez ses parents qui la soutiennent, mais c'est 70 hommes armés qui vont la poursuivre jusque là-bas pour la ramener de force. Ils vont réussir à la kidnapper en s'introduisant de force chez elle. Mais juste au moment de la faire monter dans la voiture, heureusement, elle réussit une deuxième fois à s'échapper et à prendre la fuite. Donc au final, elle échappe à ce mariage, mais Anis sera quand même mariée de force très peu de temps après. En fait, dans le pays, être une femme veuve seule n'est pas bien vu. Et refuser un mariage, alors là, encore plus. Donc toute sa famille était menacée et le second mariage a été accepté par ses parents pour sauver l'honneur de la famille et pour sauver leur vie, tout simplement. En échange, ils ont reçu une somme d'argent. Grâce à ça, toute la famille s'enfuit pour rejoindre le Pakistan. Toute la famille, sauf Anis. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi ses parents ont carrément changé de pays. Eh bien parce qu'à cette époque, on est en 1996 et c'est là que les talibans arrivent au pouvoir en Afghanistan et beaucoup d'Afghans fuient le pays. Anis se retrouve donc abandonnée et toute seule avec son second mari à seulement 14 ans. Son mari est un homme très riche et beaucoup plus âgé qu'elle. C'est un veuf qui a déjà 6 enfants, dont l'aîné qui est âgé de 18 ans, donc plus vieux qu'elle. Voilà, je devais prendre le temps de vous raconter tout ça pour que vous compreniez la suite. Et je fais tout de suite une mini parenthèse, vite fait, ça sera la seule, parce que j'estime que les gens doivent savoir se prendre en main et avoir un minimum de bon sens. J'espère vraiment que tout le monde sera respectueux dans les commentaires. Je ne veux pas de violence, pas de haine, s'il vous plaît, pas de propos agressifs, etc. Parce que là, on est vraiment qu'au tout début de l'histoire. Zarifa naît 2 ans plus tard, en 1998. Sa mère Anis est âgée donc seulement de 16 ans. Les talibans sont toujours au pouvoir et ils y resteront jusqu'en 2001. Ça veut dire qu'à cette époque, les femmes ont interdiction de sortir seules. Elles n'ont pas le droit de prendre les transports en commun. L'école est interdite pour les filles. Les cours de sport et d'art sont interdits. La musique, le théâtre et le cinéma sont également interdits. C'est là-bas qu'il y a eu les statues géantes des Bouddhas qui ont été détruites. C'était en 2001. C'est donc dans ce contexte que Zarifa vient au monde. 6 mois après sa naissance, son père, qui est donc le second mari d'Anis, décède lui aussi. Déjà rien que là, on se dit que quand même, c'est chaud de commencer dans la vie comme ça, autant pour la mère que pour la fille. Anis se retrouve maintenant seule avec 7 enfants, elle n'a nulle part où aller. Sous le régime des talibans, il est courant que les veuves soient chassées par les belles familles car elles portent malheur en fait. Par contre, les belles familles gardent les petits-enfants et en particulier les garçons. Ici, la belle famille d'Anis veut bien qu'elle reste avec eux, par contre, il y a un prix à payer. Elle devient la bonne à tout faire. Ils vont faire pression pour qu'elle se marie avec un membre de leur famille. Au début, elle va refuser et puis
petit à petit, elle va finir par ne plus trop avoir le choix. Quand Zarifa atteint l'âge de 4 ans, tout le monde déménage pour Kaboul. C'est à cet instant que Anis épouse son troisième mari, Bazir, un cousin de la famille. Avec lui, elle aura 3 enfants, donc les demi-sœurs et demi-frères biologiques de Zarifa. Et à partir de là, c'est un climat d'humiliation permanent qui va s'installer, et la cause de tout ça, c'est Zarifa. Pour eux, elle ne fait pas partie de la famille car elle est née d'un père différent, donc ils parlent tous d'elle comme l'orpheline, le rebut un peu de la famille. C'est dur à dire, hein, mais vraiment quand on lit le livre, on comprend que c'est ça. Et toute la belle famille fait pression non-stop sur Anis pour qu'elle abandonne la petite. Dans cette ambiance familiale malsaine, Bazir est le premier et le seul homme en fait qui accepte Zarifa comme sa propre fille et comme faisant partie de la famille. Tous les oncles, tous les cousins, même les tantes, personne ne veut d'elle. Alors Anis, elle, se retrouve au milieu de tout ça. Toute jeune, elle a à peine 20 ans, avec un très lourd passé en plus, elle est déjà mariée 3 fois de force. Donc c'est une relation très compliquée qui va se développer entre elle et sa fille. C'est un mélange d'amour, mais de rejet aussi, malheureusement. Finalement, pour apaiser les tensions et retrouver un climat plus sain, Bazir et Anis décident de quitter Kaboul pour rejoindre le Pakistan, là où vivent en fait les parents de la jeune femme. Elle s'est réconciliée avec eux et elle leur a pardonné. Et c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver, puisque là-bas, ils vivent dans le quartier des Hazaras. Les Hazaras sont une minorité ethnique de l'Afghanistan et ils font partie des plus pauvres du pays, mais aussi des plus discriminés. Alors d'une part parce que leur peau est plus foncée que celle des autres, et d'autre part parce que ce sont eux qui sont le plus souvent en opposition avec les mentalités de cette époque, et surtout par rapport aux talibans, et en particulier en ce qui concerne le droit des femmes. Donc il y a régulièrement des attentats à leur encontre. Au Pakistan, tout est quand même plus simple pour eux, puisque là-bas, il y a des écoles, des hôpitaux, même des universités. Bazir monte sa propre entreprise, Zarifa est placée dans une école, et c'est comme ça que toute la famille vit une vie, alors je ne sais pas si heureuse est le mot qui convient, mais en tout cas, c'est quand même beaucoup mieux que dans la maison familiale de la belle famille, même si ici aussi, le contexte géopolitique est très dangereux, à cause des attentats perpétrés contre les Hazaras. Donc vous le voyez, une enfance très difficile, tant pour la mère de Zarifa que pour elle-même. La petite est rejetée par sa belle famille, mais aussi régulièrement par sa mère. Et je précise que ce sont bien les mots du livre. Ah, et j'allais oublier, Zarifa grandit sans savoir que Bazir n'est pas son père biologique. Donc pour elle, c'est encore plus difficile de comprendre pourquoi elle est traitée différemment de tous les autres, pourquoi tout cet acharnement contre elle. Quand arrive l'année de ses 10 ans, elle veut savoir quand elle est née, donc elle va demander à sa mère. Anis ne se rappelle plus exactement, tout du moins c'est ce qu'elle lui explique, mais par contre elle lui dit que toutes les dates de naissance de la famille sont inscrites dans le Coran, dans la maison familiale qu'ils ont fui. Et Zarifa raconte dans le livre que plus tard, elle aura accès à ce livre, que toutes les dates de naissance des membres de la famille sont bien inscrites, sauf la sienne. C'est par son grand-père qu'elle apprendra qu'elle est née en 1998, par contre elle n'aura jamais ni le jour ni le mois de naissance. C'est elle-même qui choisira, encore bien plus tard, en 2013 seulement, quand elle s'inscrira pour la première fois sur Facebook, et elle choisira comme jour de naissance le 5 mai. En 2012, ses parents décident de repartir à Kaboul. Les talibans ne sont plus au pouvoir. Zarifa a maintenant 14 ans. Elle est partie quand elle en avait 6. Donc quand ils reviennent, elle ne se sent pas du tout chez elle. Et en plus, ils réemménagent dans la maison familiale. Les conflits reprennent, toujours pour la même raison. Elle, forcément, ne comprend toujours pas pourquoi. Elle est rejetée comme ça par tout le monde. Et puis arrive le jour tragique où elle est carrément jetée à la porte par sa propre mère, qui a fini par céder aux pressions de la belle famille. C'est son grand frère Ahmad qui va la récupérer et l'héberger chez lui. Il est marié, il vit dans sa propre maison, mais là aussi, ça se passe très très mal, puisque maintenant, Zarifa est rejetée par la femme de son frère. Elle non plus ne veut pas s'en occuper, ne veut pas la garder à la maison, elle lui crie dessus constamment, et là encore, c'est de l'humiliation quotidienne. C'est là qu'elle apprendra que Bazir n'est pas son père biologique et que son petit frère et sa petite sœur sont en fait ses demi-frères et demi-sœurs. Pour ne rien faciliter, Zarifa a repris les cours dans un lycée, mais elle ne connaît personne. Elle n'a pas d'amis, personne à qui parler, ses notes s'effondrent petit à petit et elle finit par ne plus du tout aller en cours.
Elle est complètement seule, rejetée par tous, y compris sa propre mère. Elle va très mal. Alors on pourrait se dire que c'est le fond du fond. Ben même pas, parce que peu de temps après, sa mère Basir et ses demi-frères et sœurs déménagent. Ils quittent la maison familiale et à partir de là, elle ne le verra plus du tout. En 9 mois, elle prend 30 kilos, elle se réfugie dans la nourriture. C'est seulement plusieurs mois après, lors d'une réunion familiale, qu'elle pourra revoir tout le monde. Et ce jour-là, personne ne vient lui dire bonjour. Elle est encore mise à l'écart. Et pour rappel, elle a seulement 14 ans. Mais ce jour-là, elle compte bien renouer les liens avec sa mère. Alors Zarifa va chanter une chanson qu'elle a apprise à l'école, qui raconte l'histoire d'une fille ayant grandi sans sa maman. Elle n'a pas choisi cette chanson par hasard, bien sûr, et ça va marcher, car Anis finit par tomber en larmes, très émue, touchée en plein cœur. Elle veut récupérer sa fille. Par contre, bah, c'est pas si simple que ça. Ce sont les hommes qui décident de tout, et ils s'y opposent, même Ahmad, son grand frère, qui l'héberge. Et là-bas, la femme dépend de l'homme chez qui elle vit. Donc là, en gros, Zarifa était sous l'autorité de son grand frère. Malgré ça, Anis va braver les interdits. Qu'une femme tienne tête à un homme est très mal vu, et risqué même. Certaines sont mortes pour ça. Mais elle va quand même, un soir, aller chercher sa fille. Elle outrepasse, en fait, l'autorité de tous les hommes de sa famille. Même si les Taïbans sont plus au pouvoir, bah, les mentalités restent quand même très très conservatrices. Et finalement, ce qui va se passer, bah, c'est que pour que ça soit accepté, c'est Zarifa qui doit choisir. C'est elle qui doit trancher. Donc on lui propose deux choix. Soit elle reste chez son frère, soit elle part avec sa mère, mais si jamais elle est à nouveau chassée, elle ne pourra plus jamais revenir. Donc c'est un choix terrible, compliqué, parce que bien sûr, elle a envie de retourner avec sa mère, mais elle a aussi très peur d'être mise à la porte à nouveau. À ce moment-là, elle se retrouvera à la rue avec nulle part où aller. À seulement 14 ans, elle choisit quand même de repartir avec sa mère dans la maison familiale, et malheureusement, elle continue à aller bah, très très mal. Elle se retrouve dans une famille qui ne veut pas d'elle, hein, clairement, qui le lui dit ouvertement, et c'est finalement la grand-mère au Pakistan qui propose de la prendre chez elle. Zarifa finit par partir là-bas, et heureusement, car c'est le seul endroit où elle se sent bien et surtout aimée. Là-bas, il y a aussi en plus des tantes, dont une très douce, très ouverte sur les traditions. Zarifa est bien entourée, du coup, elle arrive à reprendre le lycée, elle perd rapidement ses kilos. Elle va rester 7 mois en tout avec sa grand-mère et elle va bien récupérer, mais elle va devoir repartir à Kaboul. Sa mère est sur le point d'accoucher, donc on a besoin d'elle sur place pour l'aider, car Basir, le beau-père, est parti en Australie pour essayer d'obtenir des visas. Quand Zarifa revient à Kaboul, ça sera une période très courte, mais ça sera une période heureuse dont elle se souvient très bien, car elle vit juste avec sa mère, ses frères et sœurs. Ils sont ensemble dans une toute petite maison avec une seule pièce, mais ils sont bien, en tout cas Zarifa est bien, car il n'y a ni père ni homme et tout est paisible. Bien sûr, ça ne va pas durer car la belle famille voit ça d'un très mauvais œil. Pour eux, ça n'est pas acceptable qu'une femme vive avec ses enfants, seule, sans homme. Alors on ne leur laisse pas tellement de choix et tout le monde retourne vivre dans la maison familiale encore une fois. Après, Zarifa explique aussi dans le livre que vu leur situation, de toute façon, c'était compliqué de faire autrement. À ce moment-là, elles étaient vraiment coincées parce qu'elles vivaient vraiment dans la précarité. Donc dans la maison familiale, vous doutez bien que les tensions rythment les journées et Zarifa est toujours le vilain petit canard de la famille. Et ça ira même plus loin puisque elle et ses frères et sœurs seront aussi frappés régulièrement. À Kaboul, depuis 2010, il existe l'ANIM. Alors, c'est l'Institut National de Musique d'Afghanistan. C'est une école de musique qui a été créée 10 ans après la chute du régime des talibans. Et vous savez quoi? Celui qui est à l'origine de cette idée est un homme, et un homme afghan. Il s'appelle Ahmad Nasser Sarmast. Pour la suite, pour que ça soit plus simple, je dirais juste Nasser. Nasser est le fondateur et le directeur. C'est un musicien, trompettiste, il est d'origine afghano-australienne. Il a créé l'ANIM après son exil, à son retour d'Australie. En fait, il était parti là-bas quand les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Et donc, à son retour, il décide de se battre pour réinstaurer la musique dans son pays. Il va réussir à faire venir du monde entier d'autres musiciens pour qu'ils enseignent aussi la musique occidentale dans son centre. Donc il y a des élèves qui apprennent la musique, mais il y a aussi les cours d'école. Ça va de la primaire au lycée. En fait, c'est un peu un endroit hors du temps là-bas. D'ailleurs, Zarifa emploie le terme de cocon dans le livre quand elle parle de l'anime. Les filles et les garçons s'y côtoient, ce qui est très rare dans le pays, et pour l'accès, là aussi Nasser a très bien fait les choses, puisque un tiers des places sont réservées aux filles, un autre tiers aux enfants des rues
tout le monde a sa chance pour y rentrer. Ça n'est pas une question d'argent ni de genre. Ça se fait par une audition. Donc vous l'avez compris, Nasser est un homme engagé et il va aller encore plus loin puisqu'il décide de créer l'orchestre Zora. Et sa particularité est qu'il est exclusivement féminin. Il est composé de 30 musiciennes afghanes. Elles sont âgées de 16 à 22 ans et c'est le premier orchestre féminin du pays et un des tout premiers orchestres féminins dans le monde musulman. Alors autant vous dire que bien évidemment, il prend des risques, il le fait au péril de sa vie. Il n'est pas du tout bien vu pour tout ce qu'il fait. En 2014, il frôlera la mort lors d'un attentat contre lui. Il sera gravement blessé à la tête, ce qui lui vaudra une perte partielle mais définitive de son audition. Mais ça ne l'arrêtera pas pour autant. À cette époque, Nasser était vraiment considéré comme la cible à abattre par les talibans. Dans le livre, Zarifa raconte son pays et explique, oui, que la majorité des femmes à cette époque portent le voile, parfois même la burqa, mais qu'il y a aussi des femmes qui portent des jeans, des robes, des tuniques et qu'elle-même sort habillée souvent en leggings avec des robes courtes et des baskets roses assez flashy et qu'elle met son foulard autour du cou. En fait, les femmes ont le droit, mais disons que c'est très mal vu et que c'est toujours très risqué et pas seulement au niveau des anciennes générations puisqu'elle explique qu'aussi au niveau des jeunes de son âge, en fait, un garçon et fille confondus, régulièrement, ils lui font des réflexions quand elle ne porte pas le voile. Et elle explique aussi, en fait, que la guerre dans son pays a créé une peur chez les habitants et que par effet ricochet, ça a changé les mentalités. Car elle rappelle que 30-40 ans en arrière, l'Afghanistan n'était pas comme ça et qu'elle a même des photos où les femmes sont en jupe et sans voile. Alors d'un côté, oui, elle souffre de la mentalité de son pays, mais en même temps, elle dit être pudique aussi, et que par exemple, voir des femmes en maillot de bain sur Internet, ça la gêne beaucoup. En soi, la musique, bah, c'est pareil, ça n'est plus interdit au niveau légal, on va dire, puisque les talibans ne sont plus au pouvoir, mais ça n'est pas accepté, c'est tout juste toléré, et il y a régulièrement des attentats. Donc l'anime a des murs avec des barbelés, des caméras, un portail blindé, etc. Les jeunes musiciennes prennent réellement des risques en allant là-bas. Leurs familles sont souvent contre, alors soit par peur, soit par conviction. Les filles sont même souvent menacées de mort. Alors pour réussir à convaincre les familles, Nasser a eu l'idée de mettre en place une allocation de $50 réservée aux familles qui ont le moins de moyens et ça marche. Zarifa intègre l'école et l'orchestre à l'âge de ses 15 ans en 2013. En fait, elle a eu beaucoup de chance car normalement, l'âge maximal pour y rentrer est 9 ans. Mais dès qu'elle a entendu l'existence de cette école, pour elle, c'était une évidence. Alors quand elle rencontre Nasser, elle le supplie de lui laisser une chance. Il accepte et il lui donne 3 mois pour se remettre à niveau et après pour passer une audition. C'est comme ça que pendant 3 mois, Zarifa va se mettre à fond et va tout faire pour réussir. Elle va apprendre le solfège, la flûte, car c'était l'instrument le plus simple en si peu de temps. Elle va apprendre l'histoire de la musique, Chopin, Beethoven. En fait, en 3 mois, elle va avaler l'équivalent de 4 années de cours. Elle est tellement motivée, c'est son rêve, elle le sait. Elle réussit son audition, elle est acceptée et 2 mois après, elle laisse la flûte pour l'alto. Elle a eu un gros coup de foudre pour cet instrument. Seule sa mère et une de ses tantes, du côté maternel, la plus cool, sont au courant. Alors sa mère, oui, la laisse y aller, même si elle n'aime pas trop ça. En fait, c'est surtout qu'elle a peur par rapport à la belle famille et qu'elle s'inquiète pour l'avenir de sa fille. C'est en juillet 2016 que la vie de Zarifa va prendre un tournant inattendu. Nasser annonce aux musiciennes qu'elles vont faire une tournée internationale en Europe pour l'Allemagne et la Suisse. Toutes les filles forcément sont très excitées, c'est déjà énorme juste ça pour elles. Mais ce n'est pas tout puisque le dernier concert se tiendra à Davos en Suisse pour le Forum économique mondial. Alors ça n'est pas rien puisque là-bas en gros ce sont des chefs d'État, les patrons des plus grandes sociétés internationales, des artistes mondialement connus, etc. La tournée est prévue pour janvier 2017. Zarifa est désignée comme chef
d'orchestre, carrément. Elles seront deux, avec elles il y aura aussi son amie Negim. Et bien sûr, elle jouera aussi du violon. Les deux jeunes filles sont aussi désignées comme étant les porte-parole officielles de l'orchestre auprès des journalistes, puisqu'elles parlent anglais. En tout cas, ce qui est en train d'arriver aux jeunes filles de l'orchestre, c'est énorme, hein, clairement. Zarifa est très émue, elle n'est jamais allée en Europe, d'ailleurs elle ne connaît pas Davos, en fait elle est sortie que 3 fois de son pays. Alors elle va regarder sur internet et là c'est le choc, puisqu'elle voit des photos de Bill Gates, Shakira et surtout Michelle Obama. Elle l'adore. Zarifa est très admirative de cette femme puisqu'elle est très engagée, notamment auprès de l'éducation des filles. Elle veut l'école en fait pour toutes. Zarifa connaît ses discours par cœur, même sa gestuelle, tout. Elle est très excitée à l'idée de pouvoir lui parler, de la rencontrer en vrai. Après l'annonce de la tournée, des journalistes vont venir, même de l'étranger. C'est vraiment un événement pour un pays tel que l'Afghanistan et surtout pour ces jeunes filles. À cette époque, donc Zarifa a 17 ans, elle est toute jeune encore. Donc c'est vraiment incroyable ce qui lui arrive, surtout qu'elle mène une vie très précaire, à un point tel qu'elle n'a même pas d'argent pour se payer le bus. Mais c'est pas grave, elle est tellement en train de vivre son rêve qu'elle fait les trajets de chez elle à l'école à pied dans la neige. Alors c'est 2 heures aller, 2 heures retour. Oui, elle pleure le long du trajet car ses pieds la font terriblement souffrir. Elle a des ampoules, elle porte les chaussures de son petit frère. Les siennes sont trop usées et ils n'ont pas assez d'argent pour en racheter des neuves. Donc entre le froid, les engelures, la peur des attentats, et en plus elle y va en cachette de sa belle famille, elle fait quand même ce trajet tous les jours et elle pense à Michelle Obama pour se motiver. Elle voit le concert de Davos comme une chance pour elle de faire connaître son pays autrement que par la guerre, parce que Zarifa ne veut pas quitter son pays, elle aime son pays. Elle veut faire changer les choses et surtout elle ne veut pas être vue comme une victime. Elle dit textuellement, je la cite, « Je ne veux surtout pas qu'on me plaigne, pas plus à Davos qu'ailleurs. Je veux qu'on nous admire. » Elle ne manquera pas une seule répétition. Anis, sa mère, est contre la tournée. Elle a peur que la famille soit au courant, donc elle lui interdit. Elle ne veut pas en entendre parler, c'est un non catégorique. Et puis elle a peur aussi pour l'avenir de sa fille. Par exemple, la banque là-bas en Afghanistan refuse des prêts aux professeurs de musique. Des hommes, alors des femmes, imaginez. Mais à force d'insister et avec l'aide de Nasser, sa mère va finir par céder. Toutes les femmes du côté maternel sont très fières et heureuses pour elle. Par contre, auprès de la famille de Bazir, son beau-père, donc Anis mentira et dira juste qu'elle y va en tant qu'interprète pour l'orchestre, vu qu'elle parle anglais. Voilà, elle assure qu'elle ne joue absolument pas dedans. Le jour du départ, toutes les filles sont présentes, mais il aura fallu quand même pas mal de négociations avec toutes les familles. Pour Zarifa, c'est la première fois qu'elle sort en public avec son alto, et elle éprouve une très grande fierté. Arrivée en Allemagne, Zarifa découvre d'autres jeunes musiciens, suisses et allemands. Elle est émerveillée de voir que chez eux il existe des centaines d'écoles de musique alors que chez elle il n'y en a qu'une. Elle découvre aussi la chambre de l'hôtel avec une baignoire et tout le confort. Pour elle et les autres jeunes filles, c'est incroyable. Elle est heureuse de cette liberté et pour la représentation, elles sont même maquillées, coiffées et surtout elles se sentent en sécurité. Par contre, bien sûr, sa mère lui avait donné comme consigne de surtout faire très attention à ne pas être prise en photo ou filmée sans son voile, car la presse est là. Elle va donner d'ailleurs sa première interview. Tout le monde veut voir ces femmes afghanes. On lui pose essentiellement des questions sur la vie des femmes là-bas, leur culture musicale, leur éducation. Zarifa répond toujours en restant très positive et va même se surprendre elle-même à lancer un appel aux représentants politiques, aux leaders mondiaux, pour qu'ils aident son pays au niveau de l'éducation. Elle a la parole, alors elle la saisit, elle parle de toutes ces femmes fortes de son pays, comme celle de l'orchestre, elle explique qu'il y en a d'autres là-bas, qu'il y a la guerre, oui, dans son pays, qu'il y a de la violence, mais qu'on ne peut pas le résumer, le réduire à ça. Je rappelle quand même qu'elle a tout juste 18 ans et qu'en plus, elle risque clairement sa vie en faisant ça. Au fur et à mesure, Zarifa est de plus en plus à l'aise et se sent même habitée par ce devoir, cette envie d'être la voix de son pays et des femmes. Et il y a une interview en particulier qui sera partagée en masse sur les réseaux, notamment sur Facebook. J'ai retrouvé la vidéo, alors s'il n'y a pas de problème de droit d'auteur, vous la verrez maintenant et on se retrouve juste après. Et sinon, je vous mets le lien en barre de description. A good girl is the one who accepts her father's word. A good is the one who
never go to school. A good girl is the one who washes the dishes and sits at home. And unfortunately, I'm a bad girl because I go and study. I want my human rights and I want to do what I love. They've completely changed the point of view of people about the arts, about the culture, about everything, and even about the women's rights. Le concert à Davos a lieu le 19 janvier 2017. Les musiciennes seront acclamées comme jamais. À leur retour à Kaboul, toutes les filles de l'orchestre Zora sont accueillies avec une aide d'honneur par la presse locale. Par contre, la plupart des familles ne sont pas là. Les filles sont demandées par les journalistes et feront plusieurs interviews. Zarifa sera même invitée sur un plateau télé pour raconter leur tournée. Mais ce qu'elle explique, c'est que oui, il y a eu un certain engouement par les habitants du pays, mais que la mentalité en général n'a pas changé. Au point où toutes les filles le savent, elles doivent redoubler de prudence. Les attaques à l'acide sur les femmes ne sont pas rares, malheureusement. Et trois musiciennes, après la tournée, disparaîtront et seront mariées de force. Voilà, donc clairement, hein, c'est chaud. Pour Zarifa aussi, le retour est compliqué. Elle est confrontée à nouveau à la dure réalité de la pauvreté après avoir vu la richesse, l'opulence de l'Europe. Bon, et sa famille, alors vous vous demandez comment ses oncles, la belle famille, va réagir. Eh bien, figurez-vous que pour l'instant, ils n'ont pas encore vu la vidéo. Ils ont juste vu une autre interview d'elle où elle porte bien le voile et comme elle parle anglais, ils n'ont pas trop compris ce qu'elle disait. Pour eux, elle est seulement interprète. Donc pour ses oncles, on ne peut pas dire qu'ils sont fiers d'elle, ça serait exagéré, mais depuis son retour, ils la laissent tranquille. Ce qui veut dire pour eux, l'ignorer plutôt que l'humilier en permanence. Mais ils sont très loin de se douter de la vérité. Et ça, Zarifa n'est pas au courant. Elle ne sait pas que sa mère a menti à la famille. Zarifa pense que tout le monde est au courant qu'elle est musicienne maintenant depuis son retour. Donc elle, à cet instant, en fait, elle est remplie d'espoir, galvanisée par la tournée qu'elle vient de vivre et par l'impact que ça a eu dans son pays, dans la presse. Donc elle reste très discrète, elle ne parle pas de ça. En fait, elle pense qu'ils tolèrent le fait qu'elle soit musicienne. Depuis le retour de l'orchestre, à l'anime aussi, c'est différent. Les garçons et les filles se disent maintenant bonjour en se faisant la bise. Ils jouent ensemble aussi, chose qui était impensable avant leur voyage. Et d'ailleurs, ses trois meilleurs amis sont des garçons. Par contre, tout ça se passe uniquement dans l'enceinte de l'école. En dehors, ils ne peuvent pas se comporter comme ça. L'anime est toujours ce seul espace de liberté qu'ils ont. Par contre, quand ils vont faire des concerts dans leur pays ou dans la ville, tout se fait dans la discrétion vraiment pour ne pas attirer l'attention des groupes extrémistes et de risquer des attentats. Les garçons de l'école aussi feront plus tard une tournée internationale. Ils seront aussi très bien accueillis, mais ça attirera quand même moins de monde, moins les médias que la tournée des filles. Zarifa va maintenant avoir 20 ans. Elle donne des cours d'anglais à des plus jeunes. C'est le seul revenu de la famille. Bazir est toujours en Australie, espérant toujours les visas et apparemment il serait sur le point de les avoir. En fait, tout pourrait en rester là, mais vous vous rappelez l'interview qu'elle a faite pour le journal américain. Je vous ai dit qu'il avait été partagé en masse sur Facebook. Eh bien, c'est à cette période, donc vraiment plus tard en fait, que la vidéo est devenue virale et vous connaissez la force des réseaux, autant dans le bon que dans le mauvais sens. Là, en 2023, elle a plus d'1 500 000 vues. Il va y avoir des personnes qui vont la considérer un peu comme une héroïne et d'autres, par contre, qui la verront comme une honte ou alors comme celle qui a voulu faire le buzz. Quand Zarifa sort dans la rue maintenant, elle doit porter un masque anti-poussière pour se cacher, ne pas être reconnue. Elle sait qu'elle est encore plus en danger, surtout après les propos qu'elle a tenus dans l'interview. D'ailleurs, elle l'explique, hein, qu'elle en avait pleinement conscience aussi le jour où elle a fait l'interview, mais qu'elle devait parler. Bien évidemment, ses oncles vont finir par tomber sur la vidéo. Pour eux, elle était juste traductrice. Là, ils apprennent qu'elle est musicienne et surtout chef d'orchestre. Et en plus, elle apparaît dans la vidéo avec le voile. Mais on voit sa frange. À partir de là, elle redevient une honte pour la famille. Elle essaye quand même de se défendre en expliquant qu'elle va aller étudier à l'université aux États-Unis, etc. Mais rien n'y fait. Même les voisins du quartier la dévisagent, l'humilient. Elle est devenue une paria. Et dans le livre, elle emploie le mot
intouchable, dans le sens que maintenant aucun homme ne voudra d'elle. Alors ça n'est pas le cas de toutes les familles, mais pour la majorité, le passé, la vie de leur future épouse est décortiqué, et s'il y a le moindre point qui va à l'encontre de leur morale, de leur éducation, il n'est pas possible de se marier avec elle. Alors Zarifa, elle, va à l'école, elle est musicienne, elle est partie à l'étranger sans tuteur, elle travaille avec des garçons, elle est donc devenue une femme intouchable et condamnée à être rejetée par cette société. Enfin, tout du moins par une grande partie de cette société. Je dis une grande partie, hein, car bien sûr, oui, il y a des familles qui ne sont pas comme ça. Il y a des hommes qui souhaitent que leur fille aille à l'école et ait plus de liberté. L'anime et l'orchestre Zora ont quand même été créés par Nasser, hein, un homme. Ou encore un autre exemple, le frère de Zarifa, Ali, qui a 14 ans, lui, il est ok que sa sœur soit musicienne. Et puis, on parle souvent des hommes, mais elle, elle explique, hein, vraiment que les femmes sont également pour que les Afghanes soient totalement dévouées et tributaires de leur mari. Elle explique tout ça, le cœur lourd, et que dans l'ensemble, les femmes de son pays ne sont pas solidaires entre elles. Elles ont tendance à se juger, à dire du mal les unes sur les autres. Mais là aussi, Zarifa rappelle qu'elle a eu cette chance de croiser des Afghanes qui sont comme elle. Déjà ses tantes du côté maternel, des professeurs aussi à l'anime, et puis des élèves, des amis. Voilà, je trouvais qu'il était important de rappeler un peu ça aussi. Quant à sa mère, eh bien, c'est très compliqué. Elle a peur, hein. Elle est terrifiée vis-à-vis de leur belle famille, vis-à-vis de la société. Elle subit aussi beaucoup de pression de la part de tous, des habitants, des menaces. Une fatwa sera même lancée sur Zarifa. Alors à bout, elle va finir par craquer et lui interdire d'aller à l'anime. Elle veut pour sa fille un avenir, en tout cas l'avenir que l'Afghanistan propose aux femmes. Zarifa, bien sûr, est effondrée, surtout qu'elle est en dernière année de lycée et c'est la dernière année avant de pouvoir enfin aller étudier à l'étranger. Et ça n'est pas tout, puisque très peu de temps après, dans la même période, on lui annonce que ça y est, on veut la marier avec un homme. Bien sûr, un homme qu'elle ne choisit pas. Mais Zarifa refuse, c'est hors de question pour elle. Sa mère, toujours paniquée, ce qui est normal par la fatwa lancée contre sa fille et les pressions de la belle famille, est complètement perdue, elle ne sait plus quoi faire. Alors elle appelle et elle demande conseil auprès de sa maman au Pakistan, et cette dernière lui dit de ne surtout pas la marier de force. Elle ne veut pas que l'histoire se répète avec sa petite fille. Elle regrette tellement pour Anis. Alors elle leur propose de revenir au Pakistan et d'attendre là-bas le retour de Bazir et des visas. Les revoilà donc repartis pour Pakistan, enfin en théorie, parce que juste avant, Bazir, qui a été informé par ses frères, va appeler Anis et la menacer. En fait, il lui dit que si elle part pas avec ses enfants. C'est la première fois qu'il fait le distinguo entre ses enfants biologiques et Zarifa. Encore une fois, la jeune fille est rejetée, et cette fois-ci, c'est par le seul homme qui l'avait toujours acceptée. Donc Zarifa s'effondre, Anis aussi, parce que dans les faits, oui, elles peuvent partir, on ne va pas les retenir de force. Quoique, mais si Anis va à l'encontre des ordres de son mari, en fait, elle va être répudiée. Elle fera partie des exclus de la société, voire pire. Donc à cet instant, Anis est tellement marquée par toute son histoire familiale, par son passé, qu'elle va encore chasser Zarifa de la maison. C'est vraiment terrible. Donc la jeune fille se retrouve à nouveau seule et encore une fois rejetée par sa propre mère. C'est un ami violoniste de l'anime qui va l'aider, il va lui prendre un billet d'avion qu'il payera pour elle. Zarifa laisse quasiment toutes ses économies à sa mère, puis s'envole pour le Pakistan, une fois de plus, rejoindre ses grands-parents maternels. Elle est partie en emportant pratiquement rien, juste quelques affaires qui tenaient dans un sac à dos, le même que lors de son voyage à Davos. Son alto est resté à l'anime, elle a tout perdu. Là-bas, elle reprend le lycée pour obtenir son diplôme. Elle essaye aussi de reprendre des cours de musique, mais elle n'a plus son instrument et elle ne trouve pas de professeur. Mais par chance, un ami du Royaume-Uni, Dan, alors lui, je vous en parle juste après, car il a un rôle clé dans son histoire, et même au-delà, puisque c'est un messager de la paix, et j'ai retrouvé ses réseaux qui sont toujours actifs. Donc son ami Dan a carrément envoyé un alto de seconde main depuis le Royaume-Uni à Zarifa. Alors vous imaginez bien que pour elle, c'est un cadeau vraiment inespéré.
Alors, qui est ce Dan et comment se sont-ils rencontrés? Dan Blackwell, c'est un musicien documentariste qui fait des reportages sur les musiciens de différents pays. Le but, propager la paix dans le monde avec la musique comme langage universel. Il a déjà fait un film sur un orchestre composé de musiciens israéliens et palestiniens. Et quand il a entendu parler de l'orchestre Zora, il décide de leur écrire une chanson qui s'appelle Sister. Il va la poster sur Facebook en leur honneur et c'est de là que lui et Nazer rentrent en contact et décident de faire enregistrer la chanson par les filles de l'orchestre. Alors Dan s'est rendu jusqu'en Afghanistan pour les rencontrer. Sur place à l'anime, quand il arrive, il s'attend à voir la fameuse Zarifa de la vidéo. Mais tout ça s'est passé en fait le jour où sa mère lui avait interdit de retourner à l'école. Donc ils ont failli se louper hein, de peu, mais finalement Dan réussira à la convaincre de venir le lendemain. Il enregistrera avec elle un long entretien et c'est une connexion directe et évidente hein, qui s'est établie entre les deux malgré la différence d'âge et de culture. Et c'est juste après ça, en fait, que Zarifa s'est enfuie pour le Pakistan. Et c'est juste encore après que Dan enverra l'alto à la jeune femme. 8 mois maintenant que Zarifa est au Pakistan chez ses grands-parents et 1 an depuis le concert à Davos. Elle essaye de s'en sortir, de choisir sa vie, elle continue toujours le lycée et en même temps, elle commence à regarder les annonces des petits jobs à l'étranger comme fille au pair ou répétitrice. Elle veut sa nouvelle vie, elle veut sa vie. Malheureusement, c'est très compliqué parce qu'elle n'a ni visa ni diplôme et encore une fois, sa vie va prendre un tournant qui n'était pas prévu puisque sa mère lui demande de revenir à la maison à Kaboul. Elle est malade et elle ne peut plus s'occuper seule des enfants qui sont restés avec elle. Sur le coup, Zarifa n'a pas trop envie de rentrer, hein, c'est clair, hein, déjà parce qu'elle a été chassée et en plus elle sait qu'elle va faire la boniche. Mais sa grand-mère et sa tante vont bientôt partir pour l'Australie, elles ont obtenu des visas, donc Zarifa va se retrouver toute seule ici, dans un pays qui n'est pas le sien en fait, hein. Elle est là en tant que réfugiée. En plus, elle n'a toujours pas trouvé de professeur pour reprendre la musique, alors même si le contexte à Kaboul est dramatique, entre les attentats, la belle famille, peut-être un mariage forcé aussi, là-bas, il y a l'anime. Alors, elle hésite et clairement, hein, c'est un choix difficile et surtout pour une toute jeune fille. Et finalement, elle décide de repartir en Afghanistan. Mais avant, elle cherche un travail. En fait, elle essaye de tout organiser avant son retour. Elle réussit à obtenir un entretien avec une radio qu'il avait déjà interviewée à son retour de Davos. Zarifa repart alors à Kaboul, nous sommes fin 2017. Elle fait le trajet en taxi collectif avec des amis et 2 autres personnes qu'ils ne connaissent pas. Ils partent en pleine nuit, c'est un trajet très dangereux puisque les taxis, les bus, tout ça sont fouillés. Les Hazaras sont kidnappés et la plupart du temps on ne les retrouve jamais. Alors pour elle c'est encore plus risqué car on risque de la reconnaître par rapport à la vidéo et en plus elle emporte son violon avec elle qui est caché dans une malle sous ses vêtements. Le trajet en taxi se passe bien, tout le groupe arrive vers midi à la frontière, la suite se fait à pied et ce sont des porteurs, c'est écrit comme ça dans le livre, qui prennent les bagages pour la fouille et eux doivent s'avancer et faire la queue vers le checkpoint. Au niveau des papiers tout est ok, par contre ils attendent les bagages. Zarifa stresse beaucoup pour le violon, surtout qu'elle n'a rien dit à ses amis. Quand au loin, elle voit arriver le porteur avec sa malle ouverte et le violon qui dépasse. Elle s'empresse de récupérer la valise, de tout cacher autour. Tout le monde a vu, mais par chance, personne n'a rien dit. Ils doivent ensuite marcher encore 10 minutes et enfin, ils entrent en Afghanistan. À partir de là, ils empruntent un trajet plus long que d'habitude pour éviter les zones dangereuses. Ils vont faire donc une partie par la route, puis après prendre un avion pour rejoindre Kaboul. Zarifa ne lâchera pas son violon du trajet. Arrivée à l'aéroport de Kaboul, Zarifa prend un dernier taxi avant d'arriver à la maison familiale. Elle se sent forte, déterminée et encore plus avec son alto. Sa mère l'accueille avec joie, contente de la revoir. Alors Zarifa est très étonnée. Elle ne perd pas une minute et dès le lendemain, elle se rend dans les locaux de la radio. Sa personnalité plaît tout de suite, elle est engagée et directe. Elle a une idée qui est acceptée. Faire une émission en live pour que les auditeurs puissent appeler et proposer eux-mêmes leurs chansons préférées. Le responsable de la radio, c'est Aref. Alors c'est un homme qui est ouvert et qui est pour les droits de la femme. Il soutient Zarifa dans ses projets d'études aux États-Unis. Du coup, elle fera
une émission par jour, pendant laquelle elle parlera en fait de toutes les musiques du monde, de jazz, de pop, de rock et même de rap et de métal. Le samedi, elle parlera en plus des actualités musicales et elle interviewera aussi des musiciens. Et le dimanche, c'est réservé aux citations inspirantes comme Charlie Chaplin, Nelson Mandela, etc. C'est une radio dédiée aux jeunes et l'idée, c'est de les aider à tenir le coup dans un contexte de guerre et de les ouvrir aussi sur des sujets autres que la musique et de parler de ce qui se passe dans le monde pour leur permettre d'avoir une vision plus ouverte. Sa première fois à l'antenne sera le 2 janvier 2018. Ses émissions sont tout de suite un succès. Elle est très appréciée et elle reçoit même plusieurs demandes de mariage très sérieuses de la part d'hommes ouverts dans le pays. Il y en avait, mais bien sûr, la radio reçoit aussi beaucoup de menaces. Elle adore son travail et elle est super à l'aise. Par contre, chose assez surprenante, en tout cas moi j'étais surprise à la lecture de ce passage, avec les autres jeunes femmes qui travaillent à la radio, ça se passe pas super bien. Elles ne sont pas d'accord sur la façon qu'elle a de s'habiller, sur cette liberté qu'elle s'autorise. Et elle explique que c'est pareil aussi avec les garçons, mais que c'est quand même beaucoup plus tendu avec les filles. Zarifa est aussi retournée à l'anime, car elle veut réintégrer les cours et l'orchestre, mais elle s'en doute un peu. Nazaire refuse, en fait, elle est partie trop longtemps, elle a presque un an maintenant de retard par rapport aux autres élèves. Par contre, il accepte quand même de la laisser venir pour qu'un professeur lui donne des cours gratuits de violon. Voilà, donc ça c'est toute l'année 2018, elle la passe entre la radio, où l'ambiance est quand même compliquée, entre l'anime et la maison familiale, où les tensions ont vite repris. Sa mère n'accepte pas son travail, toujours pour les mêmes raisons, elle a peur essentiellement. Plus ça va et plus Zarifa se sent de moins en moins à sa place dans son pays. Pour l'instant, son travail à la radio lui permet d'économiser pour plus tard, pour ses études, et ça lui permet aussi de payer l'école et le bus pour ses frères et sœurs, ainsi que la nourriture pour sa mère. En fait, c'est elle, le pilier de la famille, à tout juste 20 ans. Elle porte tout à bout de bras et sans quasi aucun soutien. Bazir, le beau-père, lui, ne donne presque plus de nouvelles. Il est toujours en Australie et il n'envoie jamais, ou en tout cas très peu d'argent. Zarifa ne fait pas de vagues à la maison. Elle a trop peur qu'on lui retire les libertés qu'elle a. Elle se fait donc très discrète là aussi, mais arrive le moment où on lui présente un autre futur potentiel mari. Et là, ça renforce encore plus son envie de quitter le pays. La différence avec la dernière fois, c'est que cette fois-ci, elle réussit à convaincre sa mère. Ça n'est pas la vie qu'elle veut. Par contre, au niveau des oncles, de la belle famille, c'est même pas la peine. Donc du coup, lors de la rencontre officielle avec l'homme et les futurs beaux-parents, elle fait exprès de mal se comporter, entre guillemets, puisque c'est juste qu'elle ne va pas leur adresser la parole. Et c'est un comportement qui va faire très mauvaise impression. Du coup, tout simplement, il n'y aura pas de mariage. Donc voilà, ça c'était un peu la goutte d'eau, entre guillemets, de trop. Mais c'est ça aussi qui va faire que Zarifa va se décider à parler au chef de famille et d'assumer ouvertement, en fait, ses ambitions. Donc c'est le frère de Bazir. Elle lui explique son envie d'aller étudier aux États-Unis, de pouvoir subvenir grâce à ça aux besoins financiers de sa mère. Et ça, pareil, en théorie, c'est très mal vu, parce que normalement, c'est un rôle qui revient aux hommes de la famille. Donc quand elle explique tout ça, elle n'est pas à l'aise. Mais à sa grande surprise, en fait, son oncle lui donne un délai. Il lui dit qu'elle a jusqu'à l'été pour y arriver, mais que si elle échoue, elle devra se soumettre et se marier. Dans le livre, à cet instant, elle dit qu'elle regrette ne pas avoir osé plus tôt cette discussion avec lui. Durant ses journées à la radio, Zarifa écoute beaucoup les discours de Michelle Obama ou de Nelson Mandela. Elle a vraiment envie d'aider son pays, d'aider les femmes. Elle pense même parfois qu'elle est née ici pour faire ça. Et elle pense à toutes ces femmes afghanes tuées parce qu'elles voulaient juste être libres. Elle sait que la clé est l'éducation. Elle va maintenant s'inscrire pour passer l'examen d'entrée à l'université de Bichkek. C'est en Kyrgyzstan. Elle n'a pas assez d'argent pour aller aux États-Unis, donc si elle réussit l'examen, elle obtiendra une bourse et ensuite, plus tard, elle pourra poursuivre à l'étranger. Mais encore une fois, le sort s'acharne contre elle, ou plutôt sa famille, sa belle-famille, puisque juste avant la date de l'examen, elle retrouve son passeport et sa carte d'identité brûlée sur la terrasse de la maison. Elle ne sait pas qui a fait ça, mais peu de doute, sûrement un des oncles qui ne veulent pas qu'elle continue ses études. Elle va aussi retrouver son journal intime sur le sol de sa chambre, là, complètement étalé par terre, dont une photo d'elle enfant déchirée. Cette fois-ci, c'est de trop pour elle. Elle réalise maintenant, plus que jamais, qu'on ne la laissera jamais vivre la vie qu'elle souhaite. Donc, elle sait qu'elle doit quitter le pays. Alors, de ce qu'elle explique dans le livre, c'est tout un bordel pour refaire les papiers d'identité, car il faut un justificatif paternel. La mère ne compte pas. Ça a été comme ça jusqu'en 2020. Les choses ont changé donc très récemment.
récemment seulement, et ça a été grâce au courage de femmes afghanes qui ont lancé le mouvement Where is my name? C'est seulement depuis ça que maintenant le nom de la mère est reconnu sur le registre de naissance des enfants. Donc pour Zarifa, à son époque, il lui faut la carte d'identité de son père. C'est le seul moyen qu'elle a pour pouvoir espérer s'inscrire à l'examen d'entrée de l'université. Elle va réussir à la subtiliser en cachette dans le bureau de son oncle. Elle réussira l'examen d'entrée pour l'université, une bourse lui sera accordée, elle est très heureuse, elle va pouvoir poursuivre ses études. C'est sa porte de sortie pour espérer une vie meilleure. Par contre, son euphorie est quand même ternie par l'inquiétude, déjà la peur que sa famille ne la laisse pas partir, et elle se demande aussi comment sa mère va faire sans elle. Elle pense aussi à sa petite sœur, Nelam, qui est comme elle, qui ne veut pas finir comme les femmes afghanes. Elle ne veut pas être mariée de force, alors elle a tout juste 12-13 ans à peu près à cette époque. Et petite anecdote qu'elle raconte dans le livre, pour ça en fait elle bronze jusqu'à prendre des coups de soleil car les femmes à la peau mate ne sont pas appréciées. Ou alors elle s'empiffre exprès pour grossir car ce sont les femmes minces qui sont beaucoup plus convoitées. Nelam a un rêve aussi, alors elle c'est pas la musique, c'est la course à pied. Elle veut participer aux Jeux Olympiques. Pour ça, elle s'entraîne en cachette avec Zarifa, car ça n'est pas autorisé en fait pour les Afghanes. Zarifa va annoncer son départ un soir lors du dîner. Elle ne va pas demander l'autorisation, elle va juste dire qu'elle part dans une semaine. Sa petite sœur explose de joie, pour elle ça veut dire qu'elle pourra faire pareil et qu'elle ne sera pas obligée de se marier. Son petit frère aussi est content pour elle, il la soutient. Et sa mère, elle est un peu réticente, hein. Elle est surtout très inquiète en fait, mais elle est contente pour sa fille. Par contre, ils ne disent rien à la belle famille ni au voisinage, c'est trop risqué. Zarifa arrive en octobre 2018 à l'université de Bichkek. Elle partage une chambre avec deux autres filles et ça lui va très bien pour la première année. Ça la rassure de ne pas être seule. Sur son bureau, l'autobiographie Becoming de Michelle Obama et son journal intime qu'elle a décidé d'appeler Only Zarifa. Toujours près d'elle, trois post-it. Dessus, elle a noté. Alors, faut que je vous lise, hein, parce que vraiment, c'est trop fort et tout ce que j'aime. Je suis ici pour entrer un jour à Harvard. Apprends à t'aimer, cesse de compter sur les autres. Vis ta vie, on n'en a qu'une. Zarifa s'habitue assez vite à cette nouvelle vie, elle s'habille comme elle veut, elle peut sortir librement dans la rue, parfois même le soir avec d'autres étudiants et ils se retrouvent dans un café pour raconter leur parcours de vie. Elle découvre qu'elle est loin d'être la seule à avoir fui l'Afghanistan pour les mêmes raisons. Le campus aussi est très motivant, hein, il est grand, beau, moderne, avec de grands espaces verts, des cafétérias et surtout une bibliothèque avec des milliers de livres en anglais. C'est vraiment nouveau tout ça pour elle, elle est émerveillée. Elle a été la seule à avoir enlevé son voile dès le premier jour. Les autres afghanes étudiantes attendront quelques jours ou quelques semaines. Elle remarque aussi que les garçons de son pays ont plus de mal à s'adapter que les filles. Au début, ils restent entre eux, ils ont du mal à comprendre que les filles de leur pays se dévoilent ou portent des robes. Mais au fil du temps, tout le monde s'adapte et s'entend très bien. Les premiers mois, elle découvre la ville et les autres étudiants des pays voisins. Elle discute avec eux et elle se rend compte que l'Afghanistan est le pays le plus conservateur. La première année, en fait, c'est une année d'adaptation au cours. Elle apprend le russe, qui est la langue officielle ici, et elle se remet à niveau dans les matières. Elle travaille beaucoup et en même temps, elle trouve un petit job en donnant des cours d'anglais. Comme ça, chaque mois, elle envoie $200 à sa mère. Elle culpabilise toujours beaucoup de l'avoir laissée avec ses frères et sœurs. Mais elle avait besoin de vivre enfin sa vie. Puis arrive très vite l'hiver, donc tous les étudiants repartent en famille, sauf Zarifa. Elle n'a pas assez d'argent pour se payer le trajet, donc elle va rester toute seule. L'université et la bibliothèque sont fermées. Alors elle explique qu'elle se sent seule, oui, mais qu'elle a, je la cite, « tout le temps libre pour l'introspection ». Et c'est là qu'elle va se décider à appeler sa mère. Elle a besoin de lui parler, elle doit tout lui dire, avoir cette discussion en fait qu'elles n'ont jamais eue pour pouvoir commencer sa nouvelle vie, sa vie. C'est le 1er janvier 2019 qu'elle l'appelle. Elle dit tout d'une traite. Sa mère va écouter silencieusement. Donc Zarifa lui dit qu'elle a beaucoup souffert, qu'elle ne veuille jamais lui parler de son père, qu'elle a souffert d'avoir toujours été rejetée, chassée par elle, par la belle famille, et qu'elle ne l'a jamais défendue. Et puis, elle la remercie aussi de l'avoir toujours laissée finalement faire ce qu'elle voulait, comme aller en cours et à l'anime. Elle se souvient encore exactement de cette discussion, et quelques jours plus tard, le téléphone sonne, et c'est sa mère qui la rappelle en larmes pour lui dire qu'elle l'a toujours aimée autant que ses frères et sœurs. Elles vont parler longuement, et c'est la première fois qu'elles se diront « je t'aime ». Anis lui annonce aussi, écoutez bien, qu'elle s'est inscrite
à l'école. Elle veut elle aussi apprendre à lire et à écrire. Zarifa est très heureuse et très fière de sa mère qui va oser affronter la société, la famille, tout ça. Elle sait en fait qu'elle a ouvert la voie pour elle, mais aussi pour son petit frère et sa petite sœur. C'est vraiment un passage très très émouvant du livre. Zarifa est incroyable, hein. Je pense que j'ai pas besoin de le dire, vous l'avez remarqué. Elle a osé tout affronter et toujours avec cette incroyable justesse. J'ai même envie de dire ça alors qu'elle est toute jeune. À l'université, Zarifa va se lier d'amitié avec une jeune fille afghane, Natacha. Alors d'apparence, impossible de croire qu'elle vient du même pays. Elle a du vernis de toutes les couleurs, elle a des boucles d'oreilles, des tatouages, elle ne porte pas le voile, elle fait de la salsa, etc. Natacha est en licence d'anthropologie et de sciences humaines. Son père l'a toujours encouragée à étudier. Elle est pleine de rêves, pleine de vie, elle parle plusieurs langues, elle a plein d'amis, elle est très sociable et ouverte au monde, aux différentes cultures. C'est elle qui va guider, aider Zarifa dans sa nouvelle vie. C'est grâce à elle que Zarifa va oser en fait sortir et aller à la rencontre des gens. Elle s'ouvre enfin à la vie. Du coup, ça va l'aider à continuer dans sa lancée, puisque un soir, elle va appeler son beau-père Basir. À lui aussi, elle a besoin de lui dire sa vérité. Elle va lui dire qu'il les a abandonnés, que depuis sa mère est rejetée par toute la famille, qu'elle n'a pas d'argent, elle vide vraiment tout son sac, mais tout en restant calme. Et là encore, à sa grande surprise, il ne contredit rien, il lui demande même si elle a besoin d'argent, il lui dit qu'il peut lui en envoyer un peu. Il explique qu'il est toujours coincé dans un camp de réfugiés en Australie et qu'il survit. Ils vont parler et même rire ensemble, et je vais citer le livre car je trouve que c'est une très très belle leçon de vie. Encore une grande leçon pour moi. Si tu as quelque chose sur le cœur, dis-le. Si quelque chose te blesse, dis-le. Zarifa est admise pour la deuxième année à l'université. Et là, ça y est, c'est parti pour 4 années de cursus universitaire américain. Elle a pris en option politique internationale et journalisme. Cette année-là, elle va participer à une conférence. Je vous mets le nom, j'ai trop peur de l'écorcher. Le principe, ce sont des intervenants très différents qui montent sur scène pour parler en fait de leur parcours de vie, de leur projet devant un public. Et c'est aussi retransmis en live, en direct. Zarifa est la plus jeune et la première à prendre la parole. Alors elle est stressée, hein. Surtout que c'est dans un très grand hôtel, luxueux, mais très vite, et surtout quand elle prononce ces mots, le premier orchestre féminin d'Afghanistan, elle se sent à sa place et fière. En plus, elle sait que son petit frère Ali la regarde de l'Afghanistan en direct. Elle raconte tout son parcours de vie et son rêve d'aider les femmes afghanes. À la fin, elle est applaudie et beaucoup de personnes viennent la voir, viennent lui poser des questions et lui dire à quel point elle est inspirante. Elle a aussi un projet pour les enfants de Kaboul qui lui tient à cœur. Elle a réussi à obtenir une aide de $400 pour le financer. C'est pour accompagner des enfants des rues pendant une dizaine de jours, leur offrir à manger et essayer de les sortir de la rue. Voilà, maintenant elle est prête pour revenir à Kaboul, mais cette fois ça n'est plus la même. À son arrivée à l'aéroport, pour la première fois, sa mère, ses frères et sa sœur sont là pour l'accueillir, même son grand frère Ahmad. Tout le monde se serre dans les bras, ça n'est plus du tout la même ambiance qu'avant. Elle a tout de même tenu à porter le voile pour ne pas faire d'histoire, mais elle n'est pas habillée, on va dire, en tenue traditionnelle comme il est conseillé dans le pays pour les femmes. Le soir, ils dînent tous ensemble, même avec les oncles et les tantes. Et vous savez quoi? Tout se passe très bien. Zarifa est enfin respectée et aimée. Elle est maintenant l'une des leurs. Ce sont ses mots. Son petit frère et sa petite sœur voient en elle un exemple. Ça leur donne envie. Ça les motive. Ils ont envie aussi à leur tour de se donner la peine dans les études pour atteindre leurs rêves. Zarifa parle aussi un moment dans le livre de son ressenti par rapport à Kaboul. Et j'ai trouvé que c'était très beau et que ça donnait vraiment réfléchir. Elle trouvait que la ville, à son retour, était plus calme qu'avant. Et pourtant, rien n'a changé. Elle explique que c'est elle qui avait changé et qui avait mis toute sa colère de côté pour, je la cite, accueillir le monde avec plus d'indulgence. J'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Les relations avec sa mère aussi maintenant sont... Ouais, désolée, hein, je me cache. Les relations avec sa mère aussi maintenant sont apaisées. Hein. Elle la voit même faire ses devoirs. Anis montre avec fierté à Zarifa ses notes. Zarifa est très fière de sa mère et pour le moment, apparemment, personne dans la belle famille n'a rien dit. On la laisse faire. Avant de repartir, elle ira voir Nasser à l'anime et ses quelques amis restés sur place car beaucoup aussi ont fui le pays. Elle repart ensuite pour sa deuxième année à l'université, enfin en paix avec elle-même.
2020, c'est la pandémie mondiale qu'on a tous connue. Toutes les écoles du pays ferment. Zarifa vit maintenant dans un appartement avec deux autres amies afghanes. N'ayant plus son violon, elle s'est mise à la guitare et au ukulélé qu'elle emmène partout avec elle. Avec la pandémie, les autorités du pays demandent aux étudiants étrangers de rentrer chez eux, donc elle prépare son retour pour Kaboul. Mais malheureusement, elle va apprendre une terrible nouvelle. Son amie, Natacha, retournée là-bas, vient d'être tuée par une bombe placée sous sa voiture. Natacha venait d'obtenir une double licence, elle avait 24 ans et toute la vie devant elle. Je vous partage un extrait du livre car il m'est impossible de paraphraser des mots aussi forts. Avec elle, ils ont tué notre besoin d'humanité, nos rêves de liberté, de justice et de paix. Ils ont tué nos espoirs, ils continuent de tuer ce pays. Depuis Natacha, chaque semaine, des jeunes gens éduqués, des femmes instruites, des journalistes, des militants des droits de l'homme et de la société civile sont assassinés. Donnez de la voix, haussez le ton pour se faire entendre. Il s'agit de respect dû à un être humain, à égalité. Zarifa, plus que jamais, veut s'engager. 15 août 2021, elle reçoit un appel de son petit frère Ali qui lui annonce que les talibans sont entrés dans Kaboul. Le gouvernement a fui, l'armée du pays n'existe plus. Zarifa va voir à la télévision le drapeau des talibans remplacer le drapeau afghan. Son pays n'existe plus. Tous les interdits reviennent. À la radio, seule la musique religieuse est autorisée. Les femmes fonctionnaires sont licenciées et renvoyées dans leur maison. Le sport est interdit pour les femmes et elles sont dorénavant séparées des hommes. Les concerts aussi sont interdits. La musique, tout est allé très très vite. Zarifa pense à sa famille restée là-bas et à tous ses amis. Malgré la peur et le risque, des femmes vont manifester face aux talibans. Je pense que là aussi, vous avez dû voir les images circuler. Les journalistes qui filment les scènes sont arrêtés et torturés. Zarifa suit tout ça à la télé, le cœur meurtri, déchiré. Pour un Nasser au téléphone qui lui dit qu'il tiendra coûte que coûte l'anime ouvert. Alors je suis allée vérifier et on voit que le site est toujours actif, donc maintenant sur le terrain, je ne sais pas ce qu'il en est réellement. Zarifa garde l'espoir d'un Afghanistan en paix et garde cette phrase en tête de Nasser: une personne qui perd espoir perd son âme. À la fin de son livre, elle explique dans les remerciements que sa famille a réussi à s'enfuir du pays finalement. À la fin, je vous donnerai les dernières infos que j'ai retrouvées sur elle et sa famille. Son livre est sorti en 2021, donc l'année où les talibans sont arrivés au pouvoir. Je vais terminer comme souvent cette vidéo en vous partageant un dernier passage du livre qui m'a beaucoup touchée. En commençant ce livre, j'ai traversé toute une palette d'émotions et d'ambitions, balancée entre exaltation et découragement, reflet de mes perpétuelles incertitudes. Un jour, je ne voulais montrer que le meilleur de mon pays, croire en l'Afghanistan, fier de sa culture, de son héritage, une terre résiliente surtout. Le lendemain, j'en voulais au monde entier, aux hommes de ce pays, à ce goût pour la violence, aux traditions qui nous étouffent, aux familles qui en serrent. Chaque obstacle me clouait sur place avec un profond sentiment d'abandon. Mais chaque nouveau pas franchi, chaque nouvelle aventure, chaque rencontre surtout, m'a redonné courage. Et surtout, j'ai fait la paix avec les membres de ma famille, je me suis affranchie de leur jugement. J'espère maintenant qu'ils comprennent que je ne fais rien de mal en étudiant, en vivant une vie autre que celle à laquelle ils m'avaient destinée. Je suis aujourd'hui où je voulais être, je veux croire en mon avenir. Il y avait encore beaucoup de choses à dire sur son parcours, notamment dans son adolescence, mais je ne pouvais pas tout vous raconter. J'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux. C'est une histoire très bouleversante, un parcours très difficile et inspirant à la fois. Je ne pense pas que les mots suffisent à décrire à quel point Zarifa Adiba est une femme courageuse et incroyable. J'espère que la vidéo sera à la hauteur de son histoire et que vous aurez apprécié découvrir ce nouveau portrait de femme qui mérite d'être connue. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous aimez lire, franchement, je vous conseille son livre. Il est très bien écrit, sans longueur. On est tout de suite plongé dedans et même si vous n'êtes pas féru de lecture, il se lit vraiment très facilement. Je vous mets le lien en barre de description. Aujourd'hui, Zarifa est âgée de 25 ans.
ans et de ce que j'ai retrouvé en 2021. Elle allait obtenir son diplôme en relations internationales, toujours au Kyrgyzstan. Et elle voulait aller jusqu'au doctorat. Donc si je calcule bien, elle doit toujours être là-bas. Elle a repris le violon, forcément. Dans une interview, elle parle aussi des grands leaders de la planète et elle dénonce même, je la cite, « ils ont le pouvoir mais ils ne font rien ». Sa famille en 2021 était dans un camp de réfugiés et comme les papiers étaient en règle, normalement, depuis le temps, ils ont dû pouvoir avoir une vie que tout être humain est en droit d'avoir. En ce qui concerne la vie des femmes afghanes en 2023, les talibans leur retirent leurs droits, hein. C'est catastrophique. Je vous mets un lien en barre de description si vous voulez avoir plus d'infos. Mais en gros, plus le droit de travailler, mariage forcé, école interdite, etc. etc. La liste est très longue et tragique. C'est pour ça que même si le sujet était délicat, je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et peut-être ému autant que moi. Merci à tous ceux qui sont toujours là. Je sais que je le répète souvent, mais ces derniers temps, c'est vraiment des vidéos au format plus long que d'habitude, mais impossible de faire autrement. Si c'est le cas, puis que vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à me le dire dans les commentaires. C'est grâce à vous hein, si la chaîne existe. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire. Je suis toujours l'ordre du dernier sondage. Je vous laisse ici. J'avoue que je n'ai plus trop de salive. Puis j'ai dû recharger 2 fois l'appareil photo. J'espère qu'au niveau du montage, les coupures ne se verront pas trop. J'ai rien bougé au niveau du micro, des éclairages pour que ça reste fluide. Voilà, donc on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous surtout. Salut !